C'est parti pour 2019. Hello les amis, et surtout bonne année sous la neige comme vous pouvez le voir ici. On a une petite nouvelle qui devrait vous réchauffer. On a un partenariat cinéma, un nouveau pour le Golden Ticket, avec le dernier film de Thomas Njijol. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste, un auteur absolument génial. Moi j'ai vu 4 fois Fast Life, si vous avez un moment, regardez-le sur Netflix ou ailleurs. Et là il sort une comédie qui s'appelle Black Snape, la légende du serpent noir, et qui raconte l'histoire d'un super-héros malgré lui, on va dire. Dans une Afrique comme c'est la décrire Njijol, joyeuse, déjantée, où il peut dérouler tout son humour avec sa compagne Carole Rocher. Et si on vous fait un tout petit brief de l'histoire, bah, c'est quelqu'un qui revient au pays tranquillou, voilà, qui se prend une première grande baffe de son prof d'arts martiaux et une série de baffes ensuite pour progresser, arriver à sauver une situation diplomatique très délicate. Et c'est en général ce qu'on voit, hein, dans les grands films épiques, que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Top Gun ou autre. C'est quelqu'un qui est dans une situation ordinaire, voilà, qui se prend une baffe, qui le projette dans une situation extraordinaire où il va devoir se révéler. Donc ici c'est un super héros, Black Snake, qui a une force incroyable et qui va d'abord échouer pour finir par triompher. En allant au-delà de ses propres handicaps, de ses propres freins, voilà, donc un grand récit épique avec une dose d'humour incroyable. La première phrase de la bande-annonce, c'est « ça va papy » et c'est ce qu'on se dit tous les matins depuis au bureau. Donc là, on a rendez-vous rue du Colisée avec l'agence qui est en charge de la promotion du film et on va voir ce qu'on peut combiner pour vous avec des tickets offerts, bien sûr, aux abonnés et à travers le concours, mais aussi des affiches et des goodies qu'on est en train de mettre en place pour vous. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on verra Thomas, je ne suis pas sûr qu'il connaîtra le jour M. Barbier, mais nous, on est ravis de l'aider pour son film. Et je pense, d'après moi, que ce sera une des meilleures comédies de l'année. Donc le 20 février, foncez, on vous en dit plus très bientôt. Ciao. Voici quelques derniers exploits de M. Barbier dans le cinéma. On avait été sponsor aussi du film Snowden de Oliver Stone. Un petit partenariat avec Tarantino qu'on avait adoré pour Les 8 salopards avec Barbier en format de sérieux gangster. Et Nice Guys que vous voyez derrière, qui avait aussi fait l'objet d'une campagne spéciale et d'un coffret très 70s. Vous voyez Monsieur Barbier en mode aussi, lui, très déjanté. Et on est voilà, très fiers de faire vivre Monsieur Barbier dans l'univers du cinéma avec d'autres marques qui supportent voilà, cette industrie de la magie et du rêve qu'est le 7e art. À très vite pour la suite. Ça marche là? Et là ça fout. Là faut que je le fasse vite parce que ma main elle va tomber de froid avant que...